Bonsoir, eh bien nous voilà maintenant parvenus au cœur de l'action. Après 3 semaines de périple africain, nos 5 équipages ont pris la mesure de la nature qu'ils affrontent et connaissent mieux leur matériel. Ainsi vont-ils pouvoir ce soir donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur les parties jaunes que vous voyez sur cette carte, sur ces parties jaunes, on vous indique qu'ils ont déjà traversé toute la partie extrême sud de l'Afrique. Nos 5 équipages sont maintenant au Kenya. Le Kenya qui est un grand pays africain entouré par la Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie, pour ne citer que les pays les plus limitrophes. Mais je vous propose maintenant de retrouver Didier Régnier qui est à quelques kilomètres de Nairobi, au milieu de la nature. Oui Noël, nous nous trouvons effectivement au Kenya, à 100 km au nord de la capitale Nairobi, exactement au bord du lac Naivasha. C'est un très beau lac mais que malheureusement vous ne pourrez pas voir puisque la nuit est tombée, une de ces superbes nuits comme on en a ici en Afrique et que nous avons pris le temps d'admirer. Il y a quelques moustiques ici, j'essaye de les écarter. Tout s'est bien passé en ce qui concerne la vie de la caravane cette semaine. Évidemment quelques routes coupées par cette saison des pluies qui nous joue quelques tours et qui retarde un peu la caravane du raid, mais les équipages sont au rendez-vous et tout s'est bien passé. Par contre, quelques crises et chuchotements parmi les membres des équipages qui n'ont pas toujours compris de quelle manière on les notait et pourquoi on employait des arguments du style « Oh, vous savez, ce genre de reportage, on peut les tourner n'importe où dans le monde ». Ça n'est pas très bien passé ici. De même pour la fiction, pratiquée par les Suisses et très mal notée à Paris, il y a un petit malaise. Alexandre Beauchaté et Alain Margot, vous n'êtes pas très contents des derniers résultats obtenus. Pas que nous sommes très contents, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que nous fassions avec le temps qui nous est donné, les moyens qui nous est donné, de faire du Spielberg ou du Lucas, par exemple. Maintenant, je répéterai ce que j'ai dit la semaine passée lors du dernier plateau, c'est qu'en fait, les jurés n'ont pas l'air prêts pour accepter la fiction, qui, à mon avis, est un moyen d'expression à part entière, et surtout dans le raid, je pense que c'est très justifié. On ne néglige pas pour autant le reportage ou la mise en scène. Mais je pense que si nous continuons à travailler à contre-courant, de cette manière-là, sans être sur la même longueur d'onde, ça risquerait d'être dommage, disons, pour la bonne marche de l'émission, car en fait, la fiction est à part entière et quelque chose de vraiment important dans le raid. Effectivement, les notes données la semaine dernière ont quelque peu surpris. Elles s'échelonnent entre 7 et 16 sur 20, ce qui est un écart considérable. Et l'on se demande, Noël, si à Paris, les jurés parisiens ont exactement les mêmes critères d'appréciation. Bien sûr qu'ils ont tous les mêmes critères d'appréciation. Je vais vous les donner maintenant. Mais ce que je voudrais dire auparavant, c'est que ce soir, je pense que nous allons avoir quelques conflits bien intéressants. Mais ne vous inquiétez pas, messieurs les reporters de Suisse. En fait, vous n'êtes plus des reporters, vous êtes maintenant des hommes de fiction. Il n'y aura pas de problème pour le Grand Raid entre fiction et reportage. Voici comment l'on note. Choix du sujet 5, traitement 3, qualité de l'image 3, son et commentaire 3, appréciation personnelle 6, ce qui donne une note totale de 20. Donc maintenant, vous avez bien entendu la manière dont on note. D'ailleurs, je vais vous présenter ceux qui ont ce soir la charge de vous juger. Et chaque juré permanent va présenter son invité, à commencer par Jean-Louis Boudou. Bonsoir, mon invité c'est Michèle Mercure, qui a commencé à être comédienne très jeune et puis elle s'est tournée vers la production et la réalisation de films. D'ailleurs, elle a participé à la réalisation d'un film cet été sur le Mermoz, qui est ce bateau, cette folle épopée entre Québec et Saint-Malo. Et elle prépare actuellement un film, je crois, sur... Les sculpteurs qui travaillent le marbre à Pietrasanta, certain. Bien, pour la France, Bruno Albin présente son invité. Moi, j'ai une tâche relativement facile puisqu'il s'agit de présenter Raymond Depardon, qu'on ne présente pas, photographe, cinéaste également. Raymond Depardon, dont on peut voir actuellement une rétrospective de photographie au Musée d'Art Moderne. Au Palais de Tokyo. Au Palais de Tokyo, c'est-à-dire l'une des deux moitiés du Musée d'Art Moderne. Bien, pour Luxembourg, Sophie Eke. Un grand voyageur, un conférencier, Jacques Cornet, les téléspectateurs de Télé Luxembourg, de RTL Télévision le connaissent bien, Jacques Cornet, qui a fait le tour du monde en 2 chevaux Citroën, et qui a rejoint la Terre de Feu. La capitale de la Terre de Feu, Jacques ? Ushuaïa. C'est Ushuaïa, eh oui. Télé Monte Carlo, José Sacré. Vous savez qu'à Monaco, on aime le cirque. J'ai le plaisir d'accueillir Alexis Grus. La famille Grus, c'est 5 ou 6 générations dans le monde du cirque. Alexis Grus, c'est le premier directeur d'un cirque national en Europe, mais c'est surtout et avant tout un artiste, je crois, puisqu'il monte près de 15 numéros nouveaux chaque année. Et l'aventure ne lui fait pas peur, puisqu'il a entre autres créé la première école de cirque en France. Exactement.
Bien. Pour la Suisse romande, Vincent Philippe. Nous avons invité Pierre-André Kroll, qui est journaliste à 24 heures, qui est chroniqueur de télévision et qui a été juré permanent lors de la course autour du monde pendant une année en 1977, si vous voyez ce que je veux dire. Ah voilà. Alors je vous rappelle le classement général. En tête toujours RTL, second TMC, troisième Canada, quatrième France, cinquième la Suisse. Il faut donc noter la très belle remontée des demoiselles de l'équipage de Télé Monte Carlo. Je ne reviendrai pas sur le problème suisse, puisque c'est de cela que l'on parle ce soir. J'espère, messieurs, que les jurés sauront apprécier votre travail créatif. Mais pour l'heure, nous allons maintenant retrouver Didier. Didier, vous allez nous parler de cette étape qui vous a conduit donc de la Tanzanie jusqu'au Kenya. Oui, Noël Mamère, exactement 1000 km à travers le nord de la Tanzanie et le sud du Kenya pour nous amener jusqu'à Nairobi et même au-delà, avec les premières difficultés dues, je vous le disais, à la saison des pluies. La semaine a été très courte. Dès l'émission terminée à Dar es Salaam, tous les équipages ont vite rangé leurs affaires, direction le Kenya, en passant par le Kilimandjaro. Nous sommes lundi, la route tue tous les jours, spectacle refrain que celui des carcasses de camions renversées dans les fossés. À la sortie de Dar es Salaam, Christine et Guylaine s'arrêtent un instant devant ce semi-remorque dont le chargement a littéralement écrasé le conducteur. Il n'y a plus de cabine, juste des caisses à ramasser sous un soleil de plomb, la banalité quotidienne pour ceux qui n'avaient pas grand-chose et qui ont tout perdu. Et puis la route, la piste, parsemée de trous, d'obstacles en tout genre. Mardi, nos sept voitures s'élancent vers Moshi, la petite ville située au pied du mont Kilimandjaro, tout au nord de la Tanzanie. Dans nos têtes, des vieux rêves de gosses qui se baladent, images un peu jaunies sorties tout droit des livres de géographie. Avec en écho les leçons mal apprises mais si bien retenues, mais oui, il y a de la neige sous les tropiques, en haut du Kilimandjaro. Quelle altitude ? 5895 mètres, monsieur. Et qui l'avait découvert ? Hésitation dans la classe, un missionnaire du nom de Johannes Rebmann. En quelle année ? 1848, plus difficile que 1515. Nous avons perdu la bataille des chiffres, mais avec nos souvenirs, plus forts que les leçons, nous sommes arrivés au pied du massif. Alors, un peu caché dans le ciel chargé, le Kilimandjaro est sorti quelques secondes pour la photo souvenir. Terriblement décevant, mais aussi tellement beau, tellement majestueux. La caravane passe et tous les habitants du village viennent nous voir. D'où venez-vous ? Commencez en Europe, vous filmez quoi ? Question aux habitants d'une autre planète. L'attroupement grandit autour de Gauthier Fleury. Initiation au millième de seconde à la photographie. Plusieurs rouleaux y sont passés. Séance de tam-tam organisée et improvisée par Alain Margot. Admirez le style, tout en finesse. Et puis, lorsqu'on s'arrête pour visionner nos images sur le récepteur, c'est aussi une grande source d'amusement. Nos scènes, nos mimiques, nos cadrages, tout est insolite pour eux et tellement peu sérieux. Que sont venues faire ces personnes avec leurs drôles de machines ? En arrivant ici, nous pensions être étonnés par les sommets froids et enneigés. Nous l'avons été en fait par la chaleur très communicative de ces enfants du Kilimandjaro, ceux dont ne parle aucun livre et qui pourtant font chaque jour l'histoire de ce plateau un peu secret. Mardi midi, nous repartons avec de nouvelles images en tête. Soudain, au milieu de la route, des dizaines de personnes bloquent le passage. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Nous sommes à la sortie d'Arusha, tout près du mont Kilimandjaro en Tanzanie. Il y a énormément de monde réuni ici et apparemment l'eau est en train de couper la route, ce qui va représenter un problème majeur pour nous. Une personne, d'après ce que je vois, une personne est bloquée sur un tracteur au milieu de l'eau. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Au milieu de l'eau, cet homme attend sans doute les premiers secours. D'une manière ou d'une autre, il va falloir passer. C'est notre règle, c'est une obligation, nous n'avons pas le choix. Pour le moment, nous attendons que le volume d'eau diminue. Un homme nous assure qu'il n'y en a que pour quelques minutes. Oui, c'est la saison de pluie. Parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas de pluie depuis il y a 3 ans. C'est-à-dire que mais c'est après 10 ans, on a des problèmes comme ça. C'est-à-dire que mais c'est pas une rivière. Ça vient de cette frange de la colline et l'autre là. Ce sont des plantations. Vous n'avez pas eu beaucoup d'eau jusqu'ici ? Oui, on n'avait pas eu de choses pareilles comme ça.
Et vous croyez que la situation va pouvoir se débloquer rapidement? Oui, oui, ça va se débloquer parce qu'il n'y a pas de source sûre de l'eau. C'est-à-dire que ça va prendre quelques minutes. Mais ici, le temps ressemble souvent à l'éternité. Le spectacle est insolite, il y a beaucoup plus de joie et d'étonnement que de colère et d'impatience. Si on ne passe pas aujourd'hui, on passera un autre jour. Alors, chaque tentative ressemble à un défi. Il y a le stade et les spectateurs. Regardez ce passage d'un véhicule tout-terrain, mais écoutez plutôt. Pour nous, la situation devient franchement préoccupante. Non pas parce qu'elle est insurmontable, mais parce que le temps nous fait défaut. Les candidats doivent avoir tourné leur sujet au Kenya avant samedi et nous sommes encore en Tanzanie. Plusieurs rendez-vous tombent à l'eau, inquiétude des uns et des autres. Alors René Raguenès, le conducteur du camion 6 roues, tente de passer. Le spectacle continue avec Jean-Pierre Coppens en éclaireur. Le terrain glisse de tous les côtés. Les roues hésitent, patinent, s'enfoncent. Il ne faut surtout pas que le camion s'enlise. Ce serait l'immobilisation totale. Après quelques difficultés, le camion arrive enfin sur l'autre rive. Quant aux voitures, elles ne peuvent pas passer par là. Vers 18h, après plus de 4 heures d'attente, un itinéraire secondaire devient possible. L'eau a nettement diminué. Les voitures peuvent enfin traverser le lit de la rivière. Pour finir, ces images, plus reposantes, nous sommes arrivés au Kenya, tout va bien, merci. Mais tous les équipages ont pris du retard et bien des sujets ont été perdus durant nos 5 heures d'attente. Du haut de ces montgolfières, des années de colonies britanniques vous contemplent. Le Kenya emporte de multiples traces. Et comme l'Afrique sans les animaux ne serait pas tout à fait l'Afrique, nous vous offrons quelques zèbres, des éléphants, des girafes et bien entendu quelques babouins, revu et corrigé par l'équipage suisse. Il n'y a pas de malade pendant le parcours parce que pas de malade. Roland Théron va beaucoup mieux et tout est rentré dans l'ordre. Bien, alors est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter le premier film? C'est justement celui de nos amis suisses qui n'étaient pas contents à l'issue de cette dernière semaine. Alors j'espère que les jurés vont être beaucoup plus gentils avec eux. Oui, Noël, nous allons regagner le clan des mécontents, Alexandre Beauchâté et Alain Margot. Alors oui, content de toute manière. Nous n'avons pas fait une fiction cette fois-ci. Sans blague. Oui, sans blague. Nous voulions faire un film sur un centre de recherche sur les maladies tropicales. Ça nous a posé beaucoup de problèmes. C'est en fait un laboratoire de brousse qui est une sorte de succursale de la grande institution en Suisse à Bâle. Et après maintes autorisations que nous avons essayé d'obtenir, ça a été impossible de pouvoir tourner. Alors on a dû changer de sujet. Et heureusement, on a trouvé quelque chose d'assez curieux. En quittant le village complètement démoralisé, nous avons observé quelque chose, un petit phénomène, et nous avons pensé en faire un sujet. Regardez plutôt. Le titre du reportage de l'équipage de la SSR, « Il pneut tout faire ». L'imagination humaine ne connaît aucune limite, tout le monde le sait. Une des plus fameuses découvertes de l'homme qui révolutionna profondément sa situation sociale et industrielle reste sans conteste l'invention du pneu. Le pneu occupe dans la vie de chacun de nous une place importante, pour ne pas dire capitale. Sans lui, l'homme n'est rien. Incapable de se mouvoir, de travailler et de communiquer, il se verrait immanquablement condamné à l'immobilité. Le pneu a de multiples fonctions. Tantôt pneu roue, pneu fumée, pneu zoo,
pneumato, pneumatique et pneumonie, on le trouve partout autour de nous. À Ifakara, les habitants ne possèdent pas de véhicule. Leurs deux jambes seules suffisent. Matériau très recherché, le pneu usagé fait toutefois partie intégrante de leur ville. Il est même leur préoccupation essentielle. Les Ifakariens l'utilisent comme matière première pour la fabrication d'espadrilles qui portent le nom de Firestone, seul mot étranger qu'ils connaissent du reste. Tout est absolument fabriqué à partir de pneus. De la semelle qu'ils détachent de la carcasse, en passant par les lanières découpées dans la gomme, jusqu'aux deux seuls clous maintenant le tout et qui furent certainement à l'origine de la crevaison du pneu. Rien ne se perd. Un reproche toutefois. La couleur est unique. Ce commerce connaît un succès florissant dans le village. En effet, la matière de base, c'est-à-dire le pneu, ne coûte rien. Le prix d'une paire d'espadrilles, par contre, s'élève à 50 shillings tanzaniens, ce qui correspond à environ 3 dollars US. Lorsqu'on sait qu'à partir d'un pneu, il est possible de produire une vingtaine de Firestone selon les pointures, le calcul est vite fait. Un pneu usagé rapporte 60 dollars de bénéfices nets, soit 5 fois plus que le revenu mensuel d'une famille moyenne en Tanzanie. Un problème apparaît toutefois. Le métier n'étant pas protégé, la concurrence se fait nombreuse. Bon nombre de paysans ont troqué leur fourche contre un scalpel et un marteau. Le nombre d'acheteurs diminue sensiblement chaque mois et l'offre dépasse déjà largement la demande. Ce marché n'a pourtant pas encore gagné l'Europe. Mais peut-être qu'un jour, il pourrait faire le bonheur de plusieurs démolisseurs. Avis donc aux amateurs. C'est assez difficile à faire là. Je crois que maintenant on va devoir y aller. Nous avons notre petit journaliste qui nous dit qu'il faut quitter les lieux. Ça commence à craindre sérieusement. Alan. Wewe unapata faida gani kufanya hivi? Mimi na watu na mashati wa boku kwa utendo basi. Wewe unafanya nini? Wewe unaona hii? Wewe Bravo. Nous nous retrouvons à plusieurs centaines de kilomètres et d'heures de route du village d'Ifakara. Nous avons dû quitter, vous avez pu le remarquer, assez précipitamment. Et d'ailleurs pour des raisons de sécurité. En fait, vous savez, les Tanzaniens n'aiment pas beaucoup la présence d'une caméra. Et à la vue de notre caméra, lorsque nous avons tourné dans ce village, ils se sont rapidement mis dans une colère furieuse. Nous avons donc, si vous me permettez l'expression, préféré mettre les bouts plutôt que de s'exposer à d'interminables interrogatoires policiers. On commence à en avoir l'habitude dans le raid. Heureusement, j'ai quand même pu acheter une paire de ces fameuses godasses africaines qui manquent pas de look, de design. Elles ressemblent assez, je trouve, à nos espadrilles qu'on peut trouver en Europe. Par contre, le confort, c'est pas encore ça. Hein. Mais qui sait, peut-être qu'avec le temps et l'usure, elles deviendront peut-être très confortables. Bien, du village d'Ifakara, Alexandre Beauchaté disait « ça craint ». On va voir si vous avez quelque chose à craindre du jury. Mais d'abord, une première question de Jacques Cornet. Oui, c'est intéressant, mais je veux dire que les gens qui marchent sur des pneus d'automobile, on peut en voir dans le monde entier, aussi bien en Afrique qu'en Asie. Et moi, en particulier, j'ai vu ce genre de chaussures au bazar de Kaboul il y a quelques années. Oui, bien entendu, on en revient à l'argument de départ, mais en fait, il faut bien qu'on le traite quelque part, ce sujet. Alors, pourquoi pas en Tanzanie ? Je vous propose maintenant, messieurs, d'écouter la notation du jury en commençant par le Canada. 13. 12. France. 12. 12. Luxembourg. 11.
12. Monaco. 11. 11. Nos amis suisses ne notent pas puisqu'ils représentent l'équipage. Nous écoutons le total. Un total de 94 points. 94 points. Votre réaction, messieurs ? Oh, on va continuer dans la fiction, je crois. C'est une bonne détermination. Didier, à vous la parole pour le reportage de Télé Monte Carlo. Oui, Noël, nous allons enchaîner avec le second reportage signé Guylaine Merlan et Christine Demont. Je me fraye un passage au milieu des raideurs qui sont en train de pique-niquer avec une superbe pièce de viande pour m'approcher. Alors, comment se présente le film cette semaine ? Eh bien, nous étions à Lusaka, en Zambie, et nous avions envie de sortir des sentiers battus, de nous frayer un chemin dans la brousse. Alors nous avons pris la carte, étudié un itinéraire qui nous a amené dans un village à l'est de la Zambie, où nous devions rencontrer un safariman célèbre, en fait. Mais en Zambie, c'est la saison des pluies. Alors à certains endroits, la piste était impraticable et nous avons dû rebrousser chemin. C'est alors que sur le chemin, nous avons rencontré Evans. Quelle peut être la vie d'un petit écolier de brousse ? Christine l'a suivi, et moi, de l'autre côté de la caméra, j'ai essayé de montrer la naissance d'un sentiment, et voilà ce que ça a donné. Evans, écolier de brousse. Le reportage de l'équipage Télé Monte Carlo, l'écolier de brousse. Je me trouvais au fin fond de la Zambie, à 150 km de la ville la plus proche, sur une piste défoncée, quand j'ai rencontré ce jeune garçon qui partait pour l'école. Curieuse de savoir quelle était sa vie dans la brousse, je l'ai accompagnée. Cette région-ci de la Zambie est occupée par une savane inhospitalière qu'on appelle le bush. Je pensais qu'ici, on donnait aux enfants un enseignement pratique, capable de les aider dans les conditions de vie que la grande chaleur et l'absence d'eau rendent difficiles. La journée commence tôt, à 6 heures, par le nettoyage de la classe. Les enfants le font à tour de rôle et volontiers. Puis l'école débute vraiment. Les rangs, la gymnastique, la classe. Ils chantent, puis prient avant d'aborder les disciplines du programme. Mathématiques, anglais, géographie, Nyanja, le dialecte local. Les matières enseignées sont en fait les mêmes que partout ailleurs. Mais si dans nos pays cet enseignement convient, ici un problème se pose. C'est la finalité de ses études. Evans va apprendre des choses qu'il ne pourra utiliser puisqu'il ne quittera jamais le bush. Il n'a pas assez d'argent pour ça. Il vivra toujours là où à midi il m'a emmené, c'est-à-dire là où sont nés ses parents et grands-parents, ses frères et sœurs. Ces gens ne sont sûrement pas les plus pauvres du monde, mais l'assiette de porridge qu'Evans partage avec sa petite sœur est loin d'être suffisante, et dans l'immédiat, lire et écrire ne l'aide pas à se nourrir. Quand je l'ai ramené en voiture à l'école et que mes yeux se sont posés sur notre petit ordinateur de bord et sur tout notre matériel vidéo, je me suis sentie mal à l'aise. L'après-midi, Evans fait des activités plus manuelles et comme en ce moment c'est la saison des semences, tous les enfants piochent la terre autour de l'école pour y planter du coton. C'est pour leur avenir qu'ils travaillent. À 6 heures, quand il est sorti de l'école, je suis restée avec lui et lui ai demandé « Mais quel métier aimerais-tu faire ? Qu'est-ce que tu envisages ?» Je ferais comme tout le monde, planterais du coton, du maïs, du mil et d'autres choses. Tu ne voudrais pas partir ? Non. De quoi aurais-tu envie ? Vraiment ? J'aimerais une paire de chaussures noires. Des chaussures noires ? I want one pair of shoes, black shoes.
J'aurais voulu lui offrir quelque chose d'utile, quelque chose qui l'aide vraiment. Je lui ai donné un cahier et un stylo. Ça lui a fait plaisir, mais moi je suis repartie le cœur gros de le quitter et gênée par le caractère dérisoire de ce cadeau. L'écolier de la brousse, un sujet tout en sensibilité, peut-être matiné d'un petit peu de naïveté. Deux questions de Sophie Eke et de Raymond Depardon. Sophie. Effectivement, il y a beaucoup de tendresse, mais je voudrais savoir pourquoi Christine et Guylaine se sentent mal à l'aise et répètent une deuxième fois « je me sens gênée ». Quelle était la réaction du gamin? Est-ce qu'il se sentait mal à l'aise? Lui, vraiment, est-ce qu'il était gêné? Raymond Depardon, prenez un micro pour poser votre question, ça ira mieux. Non, moi, mis à part le commentaire, j'aime bien ce film parce que... il y a quelque chose d'un petit peu personnel qu'on voit trop rarement à la télévision. En fait, c'était pas lui qui était gêné, c'était nous, parce que notre cadeau était tout à fait dérisoire. Bien, on procède à la notation, mademoiselle, maintenant, en commençant d'abord par le Canada. 12. 11. France. 13. 13. 11. Luxembourg. Oh, pardon, 11. 11 aussi. TMC ne note pas, Suisse romande. 10. 9. Voilà, quelles sont vos réactions, mademoiselle? On trouve que c'est un peu sévère, mais... Oui? Un peu de déception sur le plateau, Noël, ma mère, quand même. Pourquoi cette Christine. Déception? Pourquoi cette déception? Parce qu'elle s'était beaucoup investie dans ce sujet, apparemment. Non, c'est parce qu'en fait, on a essayé de traduire un sentiment, mais enfin, pour des amateurs, c'est pas évident de rendre ça par l'image. Cela nous fait un total de 90 points, 90 points. Donc, vous... Ça n'est pas si mauvais. Ce n'est pas si mauvais, c'est vrai. Mais on peut dire tout de même que votre sujet possédait beaucoup de sensibilité. C'est en tout cas mon avis. On passe à la présentation du troisième reportage, troisième film. Didier. Oui, celui des Canadiens, Robert Bourgoin et Francis Lévesque. Je rejoins l'autre bout du plateau. Voilà. Alors, comment se présente le reportage? Eh bien, c'est savoureux. Finissez de manger, je ne vous dérange pas trop, là. Non, non. Bon. Alors, Francis, ou Robert? Oui. Moi, plutôt. Eh bien, à Lusaka, la première chose qui nous a frappé en arrivant, c'est tous ces rassemblements d'hommes à tous les coins de rue, dans tous les parcs. En fin d'après-midi, on rencontrait des attroupements de 30 ou 40 hommes qui étaient habillés soit tous en bleu, soit tous en rouge. Alors, ça nous tracassait un peu. Le lendemain, on en a encore vu davantage. On se posait des questions. Finalement, on a découvert qu'ils pratiquaient un métier qui était connu de tout le monde, un métier qu'ils pratiquent à leur manière. C'est un métier assez spécial. Ça consiste en une seule chose, voir le temps passer. C'est un lancement de reportage très mystérieux pour les Canadiens. Le titre de leur film, Des Zambiens sur leur garde. À Lusaka, pour plus de 5000 hommes, c'est tous les jours la même histoire. Après chaque nuit de travail, cette marée humaine remonte sur la ville. Ils arrivent de partout. Armés de courage et d'un grand espoir de décrocher un petit salaire. Mais l'idée de porter un bel uniforme les console un peu. Ils sont gardiens de sécurité. La police, les détectives privés et les militaires n'arrivent pas à endiguer la vague de vols qui déferle sur la ville. À cette fin, on a donc mobilisé une armée de civils aux allures militaires. Le regard fier et la tête haute, ils font pourtant face à un phénomène humiliant. Puisqu'ils ne sont pas armés, ils ne découragent en rien les voleurs. Ils ne réussissent à apaiser qu'une chose, l'angoisse de leur patron. Qu'à cela ne tienne, ils se plient de bonne guerre à un entraînement harassant. Les inspections régulières les contraignent à l'immobilité la plus totale. De plus, les directives doivent être rigoureusement suivies. Interdiction formelle de dormir au travail, de prendre du retard, de quitter trop tôt ou d'ouvrir aux inconnus. «
mais moyennant un léger supplément, on leur fournit compagnie. Pour leur faciliter la tâche, le meilleur ami de l'homme se fait mangeur d'hommes. Non. Tiens. Mine de rien, ces durs à cuire espèrent patiemment joindre les plus hauts rangs. D'apprentis, on les fera peut-être caporal, sergent, superviseur, inspecteur ou même gérant. Mais ils paradent pour mater un ennemi plus fort qu'eux. L'insécurité qui règne sur la ville. À Lusaka, pour plus de 5000 hommes, c'est tous les jours la même histoire. Oui, allô, monsieur le gardien? C'est Robert et Francis. Nous ayons presque oublié. Bonne et heureuse année. Nos meilleurs voeux de bonheur et de paix. Des Zambiens sur leur garde, une réflexion, une question d'Alexis Grus. Oui, moi je trouve le sujet très intéressant. D'abord, j'ai appris quelque chose. Je n'imaginais pas la police fonctionner de cette façon-là. Et puis je trouve que le sujet est traité avec autant d'humour. Je crois qu'on en a besoin parce que j'ai ri pendant un moment. Ce n'est pas exactement une police, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. C'est des gardiens de sécurité engagés par des particuliers, des compagnies et des ambassades, quoi. Ah bien. Ce sont des polices parallèles, quoi. Un petit peu des tontons macoutes. C'est ça, oui. Oui. Enfin, ils sont exactement là pour dissuader. Ils font les... un peu figure de pantin, vous savez, à Lusaka. C'est vraiment des hommes qui portent un uniforme et rien d'autre. Bien, notation du jury, messieurs, si vous le voulez bien maintenant, en commençant par la France, puisque le Canada vous représente. La France est complètement sur ses gardes. 10. 10 aussi. RTL. 13. 12. TMC. 16. 14. Suisse. 15. 13. Soit un total de... Un total de 103 points. Ah, c'est pas mal, vous êtes les premiers jusqu'à maintenant. Les premiers jusqu'à présent, mais ça reste quand même un peu maigre, je pense, parce qu'il y avait quand même quelque chose d'insolite dans cette histoire-là, quelque chose assez intéressant à voir. Il y avait des images qui étaient pas mal, je pense. Écoutez, José Sacré de TMC veut dire quelque chose à ce sujet. Oui, moi je trouve que c'est effectivement un sujet plein d'humour. Enfin, c'est ces gens dont le métier consiste à voir le temps passer. Ça fait rêver, puis c'est bien, puis c'est bien monté. Il y a du rythme, il y a des couleurs, il y a les casques. Moi, je trouve ça très très bien, je dis bravo. Il y a d'autres sujets à voir. C'est à vous, Didier, de nous les commenter maintenant. Oui, le quatrième sujet, l'avant-dernier, est signé par RTL, Philippe Remakers, le plus grand de nos raideurs, et Serge Gorielli. Oui, alors, le sujet aujourd'hui va être expliqué par Serge, parce que j'ai l'habitude de parler beaucoup au micro, puis je crois que c'est lui qui va s'en occuper. Voilà pour moi. On se répartit la parole au sein de l'équipage RTL. Alors, un mot sur le titre du film. Le titre, c'est Défense d'Ivoire. Alors, je l'explique un peu, parce que... Il y a la fumée du feu là qui gêne les pauvres yeux de Serge Gorielli. Oui, si on a choisi ce très fin jeu de mots, c'est parce que le film parle du commerce des produits venant des animaux, et plus particulièrement de l'ivoire et des cornes de rhino. Et qu'en ce domaine, en effet, il y a des choses qu'on n'autorise pas tellement à être vues et encore moins à être filmées. Et c'est pour ça que je te le cache pas, ça n'a pas toujours été très facile de filmer. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de problèmes ? Certains, oui, surtout en ce qui concerne les marchés illégaux. Enfin, vous allez voir. Le titre du reportage RTL, Défense d'Ivoire. This is my gun. Watch the camera. Do it again. This is my gun. Ça, c'est mon fusil. D'abord, je mets de la poudre, puis de la merde, et je fourre tout dans mon canon. Je prends de la merde, comme ça l'animal meurt lentement. Avec ça, je peux tuer un éléphant. Dans le parc de Luangwa, sur 100 000 éléphants, il en reste 50 000. Sur 7 000 rhinocéros, à peine 1500. Nous avons demandé à Peter Miller, président de la World Wildlife Conservation Fund of Zambia, qui sont ces braconniers. Les gens qui chassent sont souvent des Noirs locaux, qui vivent à proximité des parcs nationaux. Mais ils ne sont pas les véritables trafiquants. Les Godfathers, les parrains de la pègre de l'ivoire. Ceux-là les payent trois fois rien, comparé à ce qu'ils peuvent en tirer sur les marchés de l'Extrême-Orient.
Certains de ses parrains sont des nationaux, parfois très haut placés. La plupart sont étrangers. Dans les rues de Lusaka, nous avons voulu pénétrer dans le marché illégal de l'ivoire. Caméra cachée, magnéto branché, nous allons dans un atelier à la Freedom Way Road, dans des quartiers pas trop clairs. Les sculpteurs au noir et les vendeurs à la sauvette sont plus ou moins tolérés. Chacun y trouve son compte. Mais une publicité filmée n'intéresse personne. Ce marché sordide est trop lucratif. Seulement ici, en Afrique, le travail de l'ivoire n'est pas celui qu'on peut trouver en Asie. Une infime quantité est taillée sur place. La majeure partie est exportée brute. D'où vient cet ivoire? Vous l'achetez aux braconniers? Oui, aux braconniers. Alors ce que vous faites, c'est pas vraiment légal? Non, c'est pas légal. Sur le marché officiel, les prix des statuettes et des défenses sculptées sont deux fois plus élevés. Seulement, le marché officiel est le seul à procurer la fameuse licence d'exportation exigée par la Convention de Washington. Signée par presque tous les pays du monde, dont la Zambie, cette convention vise à éliminer la contrebande des produits animaliers. Mais là où le marché officiel joue avec la balle de Satan, c'est que la majeure partie de l'ivoire traité vient des butins amassés par les patrouilles anti-braconnage. Les fenêtres sont murées, les portes sont grillagées. C'est le Wildlife Conservation Fund of Zambia qui assure cet écoulement de l'ivoire braconné sur le marché officiel. Curieux commerce pour un organisme qui vise à protéger la vie sauvage. Mais chacun a besoin d'argent pour financer ses œuvres. À ce titre, il existe un marché similaire à celui de l'ivoire. Tout à fait illégal celui-là, mais non moins florissant. Le kilo de cornes de rhinocéros vaut à Hong Kong plus de 14 000 dollars, c'est-à-dire plus que l'or. Alors, Peter Miller, pourquoi la corne de rhino est-elle si chère? Il existe deux raisons à cela. La première est qu'elle est réputée être aphrodisiaque, ce qui scientifiquement est une absurdité. La corne de rhino n'est qu'un conglomérat capillaire, ayant autant de pouvoir aphrodisiaque que de rainures d'ongles. La deuxième raison est bien plus difficile à contrer. Elle relève d'une tradition. Au Moyen-Orient et en particulier au Yémen, un homme n'acquiert sa réelle maturité que le jour où il possède une dague ornée d'un manche de corne de rhino. Filtre d'amour ou statue kitsch, c'est pour nos exploits au lit ou nos prétentions luxueuses que périssent ces grands pachydermes d'Afrique. Eh bien, messieurs, vous avez fait un travail de journaliste, alors critique d'un journaliste, Bruno Albin. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez à essayer de tourner des parodies de reportages effectués par des compagnies à budget gigantesque alors que vous n'en avez ni le temps ni les moyens? Et pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de nous raconter un peu plus des histoires d'hommes? Mais alors justement, j'aimerais dire ceci. La semaine dernière, je crois qu'on a tracé un portrait d'un fermier blanc. C'est vrai qu'on ne le voit pas à l'image parce que c'est un sujet très très délicat à traiter au Zimbabwe. Alors je pense que vous avez vu ce reportage-là. Je pense que c'était un portrait. On a essayé de montrer quelqu'un qui vit réellement au Zimbabwe. Alors ici, on a voulu traiter beaucoup plus que les éléphants les deux filières de l'ivoire. C'était ça le sujet. Alors le vrai sujet, c'est le marché officiel, le marché illégal, ce qui s'y passe. Alors je crois quand même que quelqu'un dit face à la caméra que ce qu'il fait n'est pas légal, ça se voit pas tous les jours. Bien, messieurs, on vous note maintenant après ces explications, en commençant par le Canada. 14. 16. La France. 10. 10. RTL naturellement ne vous note pas. TMC. 12. 14. La Suisse. 14. 15. 105 points. Bien, maintenant on passe au lancement du dernier reportage. Didier, sur place. Oui, le dernier reportage pour aujourd'hui sera signé par les coéquipiers d'Antenne 2, Laurent Chomel et Roland Théron, que je cherche. Où sont-ils passés? Ils sont là-bas, près de leur voiture. Voilà, je vais à l'autre bout du plateau, devant les phares des voitures allumées. Ils sont en train de se faire la tambouille. Un petit peu de thé. Non, toujours pas. Et on est content, en tout cas, Noël Mamère, de retrouver un Roland Théron en parfaite forme aujourd'hui. Ça va mieux? Ah oui, ça va bien mieux. La grande forme est revenue. Mais c'était temps quand même. Faut pas commencer. Pour mieux. Le reportage d'aujourd'hui. Alors je crois que pour présenter le film, la meilleure solution, c'est de raconter un petit peu la manière dont ça a été tourné. Quand on est parti de Lusaka, puisque c'est un film tourné en Zambie, pour rejoindre la frontière, on avait deux solutions. Soit prendre l'axe principal, qui rejoint directement la frontière de la Tanzanie, soit prendre la route de l'Est.
La route de l'Est, qu'est-ce que c'est? C'est 1200 km, dont la moitié pas sûre. Notre film, c'est sur le braconnage. Alors, pour tourner un film sur le braconnage, on est allé dans un parc national, le parc national de Lukusuzi. Et on est rentré dans ce parc et on a suivi un braconnier. Ça, c'est un petit peu osé puisque ce braconnier, lui, prend beaucoup de risques en allant chasser les grands animaux. La nuit, on a rencontré des Noirs dans le bush qui nous ont invités à manger et à dormir chez eux, c'est-à-dire sous la tente, en nous offrant des chenilles qui, grillées dans un petit peu d'huile, ont un goût assez spécial là aussi. Et au petit matin, on est parti dans le bush traquer les grands animaux. Et c'est pas facile de voir des éléphants quand ils sont poursuivis par les braconniers. Le reportage signé Antenne 2, Légitime Défense. Nous sommes dans le bush, un monde à part, sauvage, où la dissimulation est primordiale si l'on veut se confondre à cet élément. Tony connaissait bien les endroits où l'on trouverait des éléphants. Ce que nous faisions là n'était pas légal, mais c'était sa façon de vivre. Du matin. Nous suivons la patrouille anti-braconnage du parc national de Luanga River dans le district de Jipata. Ok, let's go. Une défense d'éléphant, c'est 4 mois de nourriture pour un braconnier qui peut rester jusqu'à 2 ans en prison s'il se fait prendre. Le bush, un monde à part, sauvage, où la dissimulation est primordiale, si l'on veut se confondre à cet élément. Exotisme garanti dans le cas d'espèce, légitime défense s'écrit au pluriel, naturellement. Question de Michel Mercure et Jean-Louis Boudou.
Bon, moi, il y a quelque chose qui m'a dérangée, c'est le changement de style qui est arrivé en cours de reportage. On commence assez tranquillement et à un moment donné, 10 heures du matin, et puis là, tout de suite, il y a le coup qui arrive. Bon, c'est un bon coup, bravo d'avoir été sur la scène à ce moment-là. Enfin, si c'est un coup, on ne sait pas, là, t'as quelque chose à dire, Jean-Louis, là-dessus. Donc, vous voulez dire qu'ils ont bidonné, quoi. On vous fait savoir que vous avez bidonné. On a suivi d'abord un braconnier qui allait effectivement chasser du buffalo et de l'éléphant. Et ensuite, on a suivi une patrouille deux jours après qui, elle, a capturé les Noirs qui transportaient les défenses qu'on voit dans le film. François et Roland, moi j'aimerais... Bon, d'abord, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Il y a un très bon choix musical. Et ce que j'aime, c'est que votre reportage laisse voir. C'est-à-dire que le commentaire n'envahit pas l'image comme beaucoup de reportages. Ceci dit, j'aimerais soulever une question pour vous et pour les autres, parce qu'on vient de parler de bidonner, autrement dit d'arranger, comme on dirait chez nous. C'est un film arrangé avec le gars des vues. Donc, c'est une question, je pense, qui va se poser tout au cours du raid, à savoir, enfin, pour moi, bidon ou arrangement, c'est une mise en scène. Est-ce que vous êtes contre ou pour la mise en scène dans les reportages? Bonne question. Oui, moi je crois que souvent, effectivement, quand on voit un problème, il est assez difficile, avec le peu de temps qu'on a, de pouvoir le montrer. Donc je pense qu'effectivement, il peut aussi arriver qu'on puisse mettre en scène des choses, mais là, bon, c'est absolument pas le cas. Mais je pense que si effectivement on peut et on n'a pas la possibilité de montrer ce qu'on veut, eh bien à ce moment-là, oui, on pourra faire une mise en scène. Bien, débat sur lequel nous aurons certainement l'occasion de revenir. Pour le moment, messieurs, nous allons vous noter en commençant par le Canada qui, justement, vous a posé les questions. 16. 14. Antenne 2 ne vote pas puisqu'il vous représente. Télé-Luxembourg. 14. Et moi, 15. TMC. 13. 17. SSR. 13. 9. Pendant que nous faisons le total, Alexis Grus, il y a une question intéressante qui peut être posée, puisque vous êtes directeur d'un cirque. Vous n'ignorez pas que certains de vos confrères acceptent le trafic d'animaux. Oh non, plus aujourd'hui, puisque la plupart des animaux que l'on trouve dans les cirques sont des animaux qui sont nés en captivité, et on n'a plus ce problème d'importation, et Dieu merci pour les animaux. Mais il y a une chose que je voudrais noter un petit peu, et qui fait peut-être paraître un petit peu le côté arrangé, comme disait monsieur tout à l'heure. C'est, d'abord, on voit apparaître une peau de panthère. Elle est déjà tannée, cette peau de panthère. Ça enlève un petit peu la réalité des choses. Ah, là, vous êtes coincé. Là, vous êtes bien coincé, n'est-ce pas? Vous avez entendu, j'espère? Oui, on a absolument entendu. Alors, mais simplement, je pense qu'effectivement, ils venaient, quand on les a trouvés, ils venaient de trouver... ils avaient peut-être chassé, je ne sais pas, moi. Expliquez-leur, demandez-leur. C'est à vous de leur demander, pardonnez-moi, mais le nous ne sommes pas là pour vous remplacer. Le total... 111 points. 111 points, messieurs. Vous ne devez pas être mécontents, finalement, parce que vous n'êtes pas les derniers du tout. Oui, on n'est pas vraiment mécontents, mais je pense qu'effectivement, quand on veut faire montrer des choses, il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas vraiment senti ou pas vraiment compris ce qu'on voulait montrer, quoi, c'est tout. Ah, c'est la loi du jury, vous savez, c'est normal. Chacun a sa personnalité et juge en fonction de ce qu'elle estime bon. Eh bien, maintenant, Didier, vous allez nous donner les points de bonification, ceux que l'on accorde lorsqu'on est sur place, en fonction de la conduite et du matériel. Oui, écoutez, Noël, pour le moment, il y a un peu d'obscurité sur le plateau. Ah bon? Alors, il y a une panne de lumière parce que nous fonctionnons avec des groupes électrogènes et des phares de voitures allumés. Nous sommes un peu plongés dans le noir, mais ça n'est pas grave. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est très simple cette semaine. 25 points partout, c'est-à-dire le maximum. Nous pouvons donc dire que les coéquipiers ont particulièrement bien tenu leur voiture, sont arrivés à l'heure à l'étape et ont respecté les limitations de vitesse, plus un bon entretien du matériel vidéo. La lumière revenue à Nairobi, nous faisons à Paris le classement hebdomadaire. RTL 130 points, TMC 115 points, SRC 128 points, Antenne 2 136 points, SSR 119 points. À l'issue du classement de la semaine, aucune inquiétude pour nos équipages. Voici maintenant le classement général, les résultats. RTL reste en tête avec 420 points, suivi de TMC 383 points, Execo, troisième Execo, SRC et Antenne 2, 374 points. Et dernier, ça ne va pas leur faire plaisir, les Suisses avec 350 points. J'espère que vous allez vous battre et nous montrer que vous savez vous défendre. Je les ai à côté de moi, Alexandre Beauchâté et Alain Margot. Très, très déçus, Noël. Je le comprends fort bien. Très déçus, ma foi.
on va essayer de faire autre chose, quoi. Mais non, ne faites pas autre chose. Continuez sur la fiction, c'est votre combat. Continuez-le. Non, non, nous essayons de faire chaque fois une originalité différente. Si vous ne comprenez pas, ma foi, on ne peut pas faire grand-chose. Eh bien... Quel suspense. C'est vrai. Alors, qu'allez-vous faire maintenant, Didier? Vous repartez pour de nouvelles aventures, comme on dit. Bien entendu, Noël, dès l'émission terminée, nous faisons nos bagages et nous repartons vers le nord du Kenya avec beaucoup de points d'interrogation. Nous allons en reparler. Mais je voudrais vous dire que ce soir, c'est un peu une ambiance de fête sur ce plateau. Nous allons négocier le premier virage du raid puisque Guy Garibaldi, qui nous a accompagnés, qui a balisé le terrain pendant pratiquement toute la traversée de l'Afrique de l'Est, Guy Garibaldi nous quitte ce soir pour aller baliser un autre terrain en Asie. Et nous sommes un peu tristes, mais nous accueillons également Pierre Gode. Guy Garibaldi, ça s'est bien passé dans l'ensemble? Oui, disons que grosso modo, ça s'est bien passé. Je suis un peu, désappointé du résultat des équipages suisses, de l'équipage suisse du moins. Mais enfin, c'est une compétition et il faut bien que ça continue. Alors comment se présente la suite maintenant? C'est Pierre Gode que nous allons accueillir chaudement dans l'équipe du raid. Pierre Gode qui va prendre la succession. Pierre, où allons-nous? Mais en fait, c'est très difficile de dire. À vrai dire, je pourrais dire que je suis assis sur mon angoisse. C'est la nouvelle carte que l'on prend maintenant. La carte de l'Afrique du Nord et de l'Est et la péninsule arabique. Alors à vrai dire, il faut expliquer rapidement la situation. Il y avait trois options possibles. L'option par le Soudan, remonter sur l'Égypte, qui est un chemin fabuleux. L'option de passer sur l'Éthiopie et ressortir vers la mer Rouge. Alors nous sommes ici, l'Éthiopie, donc on irait par là et arriver sur la mer Rouge. Je serais remonté et redébouché sur la mer Rouge. Et la troisième possibilité, c'est par l'Est, par la Somalie. Par la Somalie. Alors rapidement les difficultés. En fait, si on prend le premier itinéraire pour remonter sur Khartoum, toute la région sud du Soudan est complètement en rébellion suite à la dissidence avec le décret de la charia qui est la loi islamique dans le nord, le sud étant chrétien et animiste. Ici, c'est vraiment très très dangereux d'y passer. Même l'itinéraire par l'Ouganda, c'est pas la peine de vous expliquer. Si on monte par l'Éthiopie, c'est encore plus difficile, déjà une piste très difficile pour gagner l'Éthiopie. Après, on peut arriver à passer l'Éthiopie, mais Raymond Depardon ne me contredira pas parce que je sais qu'il est passé par là. C'est très difficile de continuer et surtout totalement interdit. On a beau négocier, les autorités ne veulent pas prendre le risque de laisser traverser des étrangers pour regagner la sortie de Djibouti. Laisser le coin de l'Érythrée, c'est le coin du Tigré, vous connaissez tout ce qui s'y passe. Troisième solution, c'est la Somalie, remonter sur Mogadiscio, remonter sur Hargeisa, le nord de la Somalie, sortir sur Djibouti. Les difficultés, dès la sortie du Kenya, toute cette partie frontalière, ce sont des rébellions parce que les frontières sont complètement artificielles, on le sait dans l'histoire. Si l'on passe ici, il y a des pluies que vous avez rencontrées dans le sud, les pluies ont totalement coupé la route. On monte sur Mogadiscio, la région du nord, vous en avez entendu parler, c'est le détournement d'avions du Boeing de la Somali Airlines, qui signifie quand même pas mal de choses, des émeutes dans le nord et une certaine rébellion, beaucoup de problèmes de sécurité. Enfin, entre Hargeisa et Djibouti, j'étais complètement bloqué pour prendre des avions et autres, les routes sont totalement coupées, il n'a pas plu depuis 2 ans à Djibouti, et en fait, ça a été le déluge les derniers temps. Donc, route coupée, quand est-ce que ça va sécher? Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une certaine sécurité assurée par la Somalie, assurée par l'Éthiopie, s'ils veulent bien nous dégager le Nord? On n'en sait absolument rien. Alors, la dernière solution, ça va être peut-être le rendez-vous de la semaine prochaine, c'est redescendre. Je sais qu'il y a un bateau à Mombasa qui peut nous emmener quelque part. Peut-être, malheureusement, on sera obligé d'aller sur Mombasa pour quitter le territoire africain. En attendant, de toute façon, je ne peux pas prendre les risques tout seul. On va en discuter tous ensemble parce que c'est une affaire de groupe. On va en discuter après. Ils vont rester 2-3 jours sur le Kenya pour faire leur reportage en attendant qu'on trouve une solution vraisemblablement échappée de ce coin qui est très très difficile. Vous voyez, Noël Mamère, que nous sommes en pleine incertitude, un peu dans le brouillard et qu'il y a quelques angoisses en perspective puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas encore quel itinéraire nous allons prendre. Alors tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'être très très nombreux à nous suivre dans exactement une semaine.